Le Seigneur s'est fait mon protecteur, il m'a dégagé mes olives, il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce huitième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux avec notre frère Benoît. Célébrer avec vous cette Sainte Eucharistie. Merci de votre prière, de votre présence. Merci à Virginie, Michel, Jean-Marc, qui par le chant et la musique nous aident à demeurer dans l'espérance, la louange. Merci aussi à André, Denise, Rosemary, Annie, Yvette, Madeleine, tous ceux et toutes celles qui nous aident, Véro, Jean, au service de la paroisse ici. Au début de cette Sainte Eucharistie, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Christ. Nous te bénissons, nous te donnons.
prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous lui donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, mais non plus un arbre qui pourrit ne donne pas de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. En ce huitième dimanche du temps ordinaire, voici cette parole remplie de l'Esprit Saint qui vient à nous aujourd'hui. Et cette parole, cet évangile du Seigneur, concerne en réalité, au-delà de la poutre et de la paille, dans l'œil, la poutre et la paille étant, dans l'époque ancienne, des instruments de construction. Et tout instrument de construction invite à un respect des proportions, des justes lignes, de la mesure. Parce que la construction dont il s'agit ici, c'est la construction de l'humain, homme et femme. Et pour le dire dans les mots du pape François, qui nous édifie,
et nous dit que cette parole que nous entendons, elle a un lien très étroit avec la béatitude des cœurs purs. Dans la Bible, le cœur, ce sont nos intentions véritables, ce que nous cherchons vraiment et que nous désirons, au-delà de ce que nous laissons transparaître. Les hommes, ils ne voient que les yeux, mais le Seigneur voit le cœur et il cherche à parler à notre cœur. Il désire y inscrire sa loi. Tous en Église, nous formons ce que le Saint-Père appelle une armée de pardonnés. Une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion divine, et c'est de cela qu'il s'agit. Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur, et si nous tendons l'oreille, nous entendrons parfois ce reproche. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, de ta compagne, comme moi, j'ai eu pitié de toi. Il s'agit, pour le Christ, d'ajuster son regard, avoir un regard juste. Et ce regard juste, il considère le prochain comme Jésus nous le dit lui-même, un autre soi-même, et plus loin encore, un autre Christ. C'est pour cela que le Saint-Père, dans une exhortation apostolique qui s'intitule « La joie de l'Évangile », interpelle ses prêtres, et par là même, à vous qui êtes armé de compassion, il vous demande de prier aussi pour les pasteurs, pour les prêtres que nous sommes et qui dispensions des sacrements. Aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur, qui nous stimule à faire le bien qui est possible. Un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieure correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. La consolation de l'amour sauveur de Dieu œuvre aussi mystérieusement en toute personne au-delà de ses défauts. Et le prêtre qui donne le pardon du Seigneur doit régulièrement faire un travail sur lui-même pour aller à la recherche de l'âme qui lui est confiée. Le prêtre, mais aussi le fidèle baptisé, célèbre ensemble le sacrement de la réconciliation. Il n'y a pas de poutre, il n'y a pas de paille. Il y a, comme le dirait le Saint Padre Pio, la vision du Christ dans l'autre qui vit avec moi, dans l'autre que je côtoie à la maison, au travail, en église. Chaque fois que nous nous pardonnons au nom du Christ, eh bien, nous devenons instruments de la miséricorde de Dieu.
et le Christ, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Il est présent au milieu d'eux et il leur envoie les grâces du ressuscité. Frères et sœurs, au cours de cette Sainte Eucharistie, dans un monde de plus en plus violent, où le pardon se raréfie, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, du pape François et de tous les fidèles en Église, demandons au Seigneur la grâce du Saint-Esprit pour le monde. Comme me l'a rappelé tout à l'heure, avant de célébrer l'Eucharistie, le Père Hervé, il demande à chacun d'entre vous, quand vous rentrerez à la maison ou dans le courant de la semaine, de prier ne serait-ce qu'une dizaine de chapelets pour la paix, dans l'attente et la venue de jours meilleurs. Prions aussi pour tous ceux qui sont aux commandes de notre humanité, afin que la volonté de Dieu, qui est une volonté de paix, s'incarne et s'enracine dans le cœur de ses fidèles. Et ce soir, le Seigneur vous bénisse, vous comble de sa grâce, fortifie en vous l'homme, la femme intérieure, et vous donne de grandir dans le Christ. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Cette période de vive tension internationale,
la dictature de l'oppression et de la violence au profit de la paix et de la fraternité. Sur la terre. Par ces mystères,
que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. La prière que nous avons reçue, Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis et tes amours, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui dis règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, chers amis,
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je fêterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. La vente des tickets de tombola au prix de 2 euros. Alors, au profit de l'école Saint-Florence et aussi de l'aumônerie Stella Maris. Alors, n'hésitez pas, ils sont juste au fond de l'église. Soyez généreux pour eux, merci. Saluons Marie, Notre-Dame de la paix, dans la bénédiction finale. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit Dieu tout-puissant miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur.